Tatin, je vous présente. Bienvenue sur Sexy Cars et bienvenue au château de Clermont-Tonnerre qui se situe à Bertangues dans la Somme. En 2019, j'ai acheté cette Tesla Model 3 propulsion mais grande autonomie. Aujourd'hui, une page se tourne, Fantôme est à vendre. Au bout de 5 années passées au volant de Fantôme, j'ai décidé de changer. De changer, oui, mais pour quelle voiture? Qui va remplacer Fantôme et surtout, pourquoi je change? Réponse après le jingle. Tout d'abord, pour ceux que ça intéresse, Fantôme sera à vendre à partir de début août. Je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo où je fais une review complète de Fantôme, de son kilométrage, de la capacité batterie, etc. Donc vous saurez tout sur ce véhicule et notamment pourquoi c'est un véhicule d'exception. Donc sans plus attendre, je vous fais découvrir par magie ce que j'ai choisi à la place de Fantôme. Tatin ! Je vous présente... Je vous présente Spectre. Alors oui, je n'ai pas encore franchi le pas de prendre une autre marque. Il y a plusieurs raisons pour cela, je vais vous le décrire au fur et à mesure dans cette vidéo. Et puis surtout, il y en a qui l'auront marqué, ce n'est pas une Model 3 Highland. Pourquoi je n'ai pas pris de Model 3 Highland? Tout simplement parce que le budget ne me le permettait pas. Donc Spectre est une Model 3 Performance de juin 2022. Elle a à peu près 34 000 km au compteur. Et ceux qui me suivent sur la chaîne savent que je fais un petit peu de piste. J'ai fait 2 track days pour le moment et je souhaite renouveler l'opération, mais aussi avec un véhicule qui est un petit peu plus adapté à la piste. Avec ce Model 3 Performance, je pense qu'on va s'amuser un petit peu plus. Alors pourquoi cette Model 3 2022 Performance? Comme je vous l'ai dit, d'abord il y avait une question de budget. La Model 3 Performance Highland est à 55 000 euros. Là, je suis un petit peu en dessous des 40 000 euros pour un véhicule d'occasion qui n'a que 34 000 km. Alors j'aurais pu prendre un modèle 2020 ou 2021, mais je souhaitais également avoir d'une part les matrix LED, chose que les 2021 ont également, mais je souhaitais également avoir l'AMD Ryzen pour des développements futurs, pour des mises à jour futures. Et donc, en toute logique, ce Model 3 Performance 2022 cochait toutes les cases, ou presque. À noter que ce véhicule donc a l'AMD Ryzen, mais a surtout aussi les capteurs de stationnement. Donc, ce modèle a été livré juste avant la suppression des capteurs de stationnement. Et d'ailleurs, je ferai prochainement une vidéo sur la différence entre Tesla Vision et les capteurs de stationnement. Alors, je l'ai déjà fait sur 2 véhicules. Particularité de ce véhicule d'occasion également, il a l'EAP, l'autopilote amélioré. Donc, on va pouvoir s'en servir sur autoroute, sur des 4 voies. Mais on va pouvoir aussi profiter du stationnement autopark. On l'a déjà eu, je l'ai déjà testé. J'avais eu un abonnement offert par Tesla pendant 15 jours ou un mois, je ne sais plus. Ce n'était pas hyper concluant. Je peux vous dire que, et là la vidéo sortira aussi, que l'EAP sur ce type de véhicule, avec Tesla Vision ou avec les capteurs, on fera la différence entre les deux, n'a plus du tout le même niveau d'avant. C'est devenu quelque chose de très fiable. J'ai eu quelques sueurs pendant les stationnements, mais les distances sont très très bien respectées. Et donc ça, c'est dans les vidéos à venir. Si vous voulez le suivre, si vous êtes intéressé par ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On a franchi les caps des 19 000 abonnés. Si on pouvait atteindre les 20 000 rapidement, ça me ferait très chaud au cœur. Autre option que j'ai eue sur cette occasion, ce sont les sièges blancs, l'intérieur blanc. Quand j'ai dit tout à l'heure que le véhicule cochait toutes les cases, ce n'est pas tout à fait vrai. Je voulais toutes les couleurs sauf noir. Voilà. On sait que le noir, c'est hyper salissant. On sait que le noir, ça raye facilement. Ce n'est pas un noir métallisé, c'est un noir qui est juste basique. Je n'exclus pas de faire un traitement dessus, je ne sais pas encore quoi. En tous les cas, il y aura des améliorations que j'amènerai dessus. Les poignées automatiques, les soft close, les vérins électriques pour le frunk. Et également, non plus le foot sensor pour le frunk. Je dois installer prochainement un capteur de son pour ouvrir le frunk, c'est-à-dire que vous ferez ça et le frunk s'ouvrira. Donc voilà, j'ai fait quand même une concession, la peinture noire que je ne voulais pas, mais le véhicule a très bien été entretenu par son propriétaire. On va rapidement faire un tour d'intérieur et vous allez voir que pour 30 000 km et 2 ans maintenant, il est comme. Alors, vu de l'intérieur, bien sûr, les tapis sont déjà sales puisque je sors de l'allée du château.
Regardez ces sièges blancs. Et à l'arrière, on est pareil. 34 000 km. Le siège conducteur, bien sûr, celui le plus utilisé. Voilà. Il y a juste une petite éraflure ici. Je suis même pas sûr que ce soit une éraflure. Je pense que c'est la salissure. Mais ça, avec du savon noir, ça part tout seul. Des petits casiers qui ont été rajoutés. Franchement, c'est impeccable. Bon, il n'y a que le volant. Je pense que je vais le changer. Donc voilà, ça me fait plaisir de partager avec vous mon nouveau joujou. Encore une fois, restez si vous êtes intéressé par une Model 3 d'occasion. La review de Phantom, c'est maintenant. Bon, si vous êtes resté jusqu'au moment de cette vidéo, c'est que Phantom vous intéresse peut-être. Tout du moins, vous vous posez des questions sur l'achat d'une Tesla d'occasion. Qu'est-ce qui fait que ma Model 3 Propulsion 2019 est un véhicule d'exception? La première chose, c'est justement parce que c'est un Model 3 Propulsion, mais grande autonomie. Donc elle est dotée d'une batterie de 78 kWh. À l'époque, on avait une autonomie WLTP de 600 km. Dans le cycle américain EPA, cela représentait 523 km exactement. 5 ans après, l'autonomie EPA affichée reste de 460 km. Donc j'ai au total perdu environ 12% sur les 5 ans, ce qui fait une moyenne de 2,5% par an. Je dois vous dire que ce véhicule a été chargé essentiellement sur les superchargeurs, mais comme on l'a déjà vu dans une vidéo et avec le témoignage de Jérémy de Texla, la supercharge en fait n'a quasiment aucun effet sur le vieillissement prématuré d'une batterie. En tout cas, en ce qui concerne ce type de batterie. On est sur une chimie NCA, nickel, cobalt, aluminium. C'est la chimie qui a précédé les NMC, nickel, manganèse, cobalt, puis LFP qui sont venus beaucoup plus tard. Alors certains d'entre vous ont peut-être vu des annonces avec des Model 3 propulsion grande autonomie, mais beaucoup plus récente. La particularité de ce modèle 2019, c'est qu'il est en finition premium, c'est-à-dire que vous avez le caisson de basse, vous avez tous les haut-parleurs de la version Dual Motor de 2019. En fait, elle a tout ce que rassemble la Dual Motor 2019, sauf qu'elle n'a pas de moteur à l'avant. Et puisqu'on parle de moteur, là aussi c'est une exception. Ce véhicule est équipé du moteur performance à l'arrière, c'est-à-dire que vous faites le 0 à 100 en 5 secondes 3 et elle est donnée pour 325 chevaux environ. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des propulsions ou des SR+, mais rares sont celles équipées de ce fameux moteur performance à l'arrière. Et je peux vous dire que la sensation coup de pied au cul, on la ressent vraiment très bien grâce à ce moteur. Particularité, le chrome que vous voyez dessiné ici, vous voyez que voilà, ce n'est pas du noir, c'est du chrome. On va faire le détail après de tout ce qui existe. Alors, vous voyez ici, il y a une petite griffe, c'est dû à la vitre. Voilà, mais je vous le montre, ça doit certainement se polir, mais je ne l'ai pas fait. J'essaierai de le faire polir peut-être dans un garage de detailing. La voiture sera livrée avec ces fameuses roues et jantes que j'ai eues chez ACC. Les pneus, je ne vous les montre pas, là ce sont des Michelin Pilot Sport 4. Ça ne sera plus des Michelin, mais les pneus seront neufs quand le véhicule sera mis en vente. Alors, à noter aussi que le toit arrière, vous avez peut-être suivi mes vidéos, mais le toit arrière a été changé. Donc il est totalement neuf. Le toit ici a été changé une fois aussi, c'est suite à ma livraison 2019, il y avait une fissure, mais il a été changé. Et il a un aspect un peu cuivré, vous savez, quand vous avez la rosée dessus. Et ça, ça en fait une particularité, c'est très joli, ça vous donne un aspect de toit doré, cuivré. Et ça, je vais le regretter sur ma prochaine Model 3. Vous savez que de série, aucun frunk de Tesla n'est motorisé. Là, si vous suivez un peu la chaîne, vous saurez qu'il est motorisé. Je vais faire une ouverture. Ainsi que la fermeture avec coup de pied. Voilà. Il faut donner un coup de pied. Je prends mes bagages dedans, c'est très pratique. Et je referme.
Ne tenez pas compte de ça, hein, vous le savez certainement, j'ai équipé mon véhicule également de suspensions pneumatiques, mais celles-ci seront démontées avant le passage au contrôle technique et avant la vente, puisque cela n'est pas autorisé de vendre un véhicule qui a été modifié sur les suspensions. Donc les suspensions n'auront que à peu près 50 000 km sur un total de 125 000. Ce véhicule n'a pas encore 125 000, mais vu que je fais un petit trajet cet été avec en juillet, il y aura certainement 125 000 km au moment de la vente au 1er août. Idem à l'arrière, en 2019, il n'y avait pas de trunk électrique. Celui-là en est équipé. J'ai posé les fameux vérins électriques ici. Faut bien viser. Ah oui, avant d'aller à l'intérieur, faut que je vous parle également de la signature lumineuse que j'ai modifiée également. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Autre option également que j'ai ajoutée à ce véhicule, c'est la présentation des poignées. Là, la voiture est fermée. Quand j'approche avec le Bluetooth, les poignées sortent de chaque côté, hein, des quatre côtés. Je peux actionner la poignée. Voilà. Et surtout, si je ne claque pas bien ma porte, il y a un système de soft close qui vient terminer la fermeture de la porte. Je vous remontre. C'est valable également pour l'arrière. Donc, pour les quatre portes. De plus, on ne le voit pas là, mais il y a ici une petite LED blanche qui permet l'hiver d'éclairer le seuil de porte afin de ne pas marcher dans une flaque par exemple. Phantom sera également vendu avec le commandeur des Sexy Buttons, des Nantes Auto. C'est-à-dire que vous pourrez commander également l'ouverture du frunk avec la poignée. Je tire pendant 4 secondes sur la poignée et magie, le frunk s'ouvre. Idem à l'arrière, je tire sur la poignée de l'arrière. Si pendant 4 secondes je tire sur la poignée, la trappe s'ouvre. Alors quand je dis la trappe, c'est pas seulement la trappe, c'est le port de charge. C'est-à-dire que si vous êtes sur un chargeur public avec votre câble T2 qui est coincé dedans, en tirant 4 secondes dessus, il se décoince. On a ici, vous le voyez pas bien, mais on a ici cette partie-là qui est illuminée. C'est une option aussi que j'ai ajoutée. Et voilà pour 125 000 km l'état de la sellerie. J'ai ajouté également à la place de la planche de bord en bois du carbone. Sachez que j'ai la planche de bois encore à la maison, donc ça sera livré également avec la deuxième planche si vous voulez changer en fonction de vos humeurs. Idem pour la boîte à gants, recouvert d'un carbone véritable mat. Je dois vous signaler qu'en 2019, les boutons étaient recouverts de piano, couleur piano black, on appelle ça, hein, c'est de la peinture noire laquée. Également, la console centrale était recouverte de piano black. Ce piano black est toujours en dessous, d'origine, pareillé. Donc si vous voulez enlever le covering, c'est possible. Ici, j'ai mis un covering imitation alu brossé. Mais ça, c'est possible de l'enlever et d'en remettre un autre si vous le souhaitez. Vous voyez, un peu d'usure ici. Mais le dessous est complètement neuf. En 2019, il n'y avait pas de chargeur QI. Là, donc, j'ai ajouté ce chargeur QI, double téléphone. Et la particularité par rapport au Tesla, c'est que vous avez deux voyants qui vous indiquent si le téléphone est en charge ou pas. Enfin, le volant a été modifié également avec du cuir Nappa perforé et ainsi qu'un recouvrement de carbone. Alors, il était mat à l'origine, mais à force de l'utiliser, il devient un petit peu brillant. Même chose, le volant d'origine sera livré avec si vous souhaitez revenir au volant d'origine. Un coup d'œil à l'arrière.
Voilà. Tout est presque impeccable. Il faut juste que je vous mentionne ceci qui m'est arrivé la première année. En fait, j'ai pris une passagère qui avait un jean avec des rivets à l'arrière. Et c'était pendant la canicule. Et ces rivets étaient tellement chauds que quand elle est remontée dans la voiture, ben, ça a fait un petit peu fondre le plastique. Donc voilà, ça je vous le mentionne. Les modèles 2019 sont pourvus de coussins lombaires ici qui se règlent pour le chauffeur, mais également pour le passager. Vous avez deux coussins lombaires pilotables indépendamment. Et si j'appuie deux fois là-dessus, vous avez entendu les bips, ben ça lance un massage par coussin lombaire. Je ne vous ai pas montré aussi la rotule, hein, on peut faire pivoter l'écran. Et il y a un écran à l'arrière que vous avez peut-être aperçu pour le réglage du siège avant et puis le réglage du chauffage au niveau des places arrière, ainsi que de l'assise chauffante. Oui, parce que les sièges arrière sont chauffants, tous les trois également. C'était dans le pack premium en fait. En tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai. Je pense le mettre à prix aux environs de 21 000 euros. De toute manière, il y aura un lien dans la description avec le lien sur Le Bon Coin ou la centrale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez me joindre, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Vous avez également la possibilité d'aller sur mon site sexycars.fr. C'est aussi en description et ça est affiché maintenant ici. Vous pouvez bénéficier de plein de bons plans avec des remises allant jusqu'à 30% chez certains distributeurs. Plein d'actualités à venir sur la chaîne, notamment sur des accessoires pour cette Tesla Model 3. Et puis aussi, on va parler un peu plus sérieusement de solaire, de recharge solaire. On va parler batterie de stockage avec Anker Solix. Et malgré la météo, qui n'est pas vraiment une météo d'été, restez positif. Ciao, ciao.